Balazer House. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. J'allais nouveau dire de Star Wars, bordel la couille. Et aujourd'hui, on va d'abord commencer par faire quelque chose. On va mettre ceci ici. Que ça va être assez utile. Pourquoi donc? Eh bien, pour cette unique raison. Voilà. C'est l'unique raison pour laquelle c'est utile. C'est pas l'unique, mais c'est très utile pour cette raison-là. On dit que je fouille toutes les grottes, comme je voulais, enfin, toutes les maisons. J'ai cru que j'allais y rester. J'ai cru ça à un moment. Alors. Misérable Carcon! Vous devriez pas être là! Dans l'eau. Hop. Alors qu'on les infecte, enfin on les asperge. Shan Ronir, allez vous faire voir chez les Tauren. Et il reste les Tauren à libérer. Pourquoi j'ai pas le suivi des quêtes? Bordel. Pourquoi j'ai dû désactiver un truc ou je sais pas trop quoi. Commande, affiche. Combat. Cible de la cible, pas d'alerte visuelle. Les points de vie sont bas, affichage. Social, barre d'action, zoom, caméra, accessibilité. Pourquoi les quêtes n'apparaissent pas? Objectif de quête. Ok, merci. Voilà. On n'allait pas bien loin sans ça. Alors, comme un poisson hors de l'eau, merci, vous avez sauvé suffisamment, blablabla. Pour qu'il puisse se reproduire. Là, les plus forts. Alors, on va clairement mes prendre ça. Ne sont plus qu'elles étaient. Pardon, j'allais désenchanter un truc que je ne devais pas désenchanter. Ça, par contre, je peux le désenchanter. Alors, clairement, là, on va aller dans la grotte. Mais on va d'abord les tuer eux. Hop. Je n'ai pas de cible. Hop là. Voilà qui est fait pour nous. Bon, c'est clair qu'on perd un peu moins de vie, mais on va toujours devoir faire attention quoi qu'il arrive. Parce que on n'a pas une vie illimitée non plus. Donc bon, on n'est que 651 en e-level, hein, faut pas oublier ça. Donc voilà, faut vraiment pas l'oublier parce que c'est important. Aussi parce que sinon, on est mort. C'est trop loin. Pour une libérée, on le fait en chemette. Là, on fait ça en chemette.
Oula. Tu tiens une canne à pêche, toi. Un plaisir. Alors, ce fut un véritable soulagement de les voir revenir à un deb. Merci, Yanda. Que la terre mère. Les Drogbars se sont emparés de ma caverne. C'est là que nous pratiquons notre magie de l'eau, nous les crins de rive. C'est aussi là que se trouve l'eau curative la plus pure de Auroch. Retrouvez-moi là-bas, nous chasserons les Drogbars du lieu sacré qu'ils profanent. Kanche vous guide. La caverne du berceau de la vie se trouve à l'ouest. Retrouvez-moi sur place dès que vous le pourrez. On va d'abord finir les objectifs, du coup. On va devoir terrasser du mob. Pour ça, pas d'autre choix que de combattre. Là, ça a été plutôt simple. Je suis hors de portée. Bon, il me reste plus beaucoup de... Il me reste plus beaucoup de mana. Hop là. Et hop là. Voilà qui commence à être pas mal. Alors, toujours cette régène, bien sûr. Hein. Ça, on ne l'oublie pas. Là, bien sûr, quand je vais avoir affaire à deux, ça va être un peu plus compliqué. Je devrais pouvoir le gérer, mais... Sait-on jamais. J'ai besoin d'une cible. Ok. Donc on a trouvé de la soie châle d'oreille. Va nous être utile ici quelque part, je crois. Bien sûr. Soit châle d'oreille. Voilà. Comment je ne sais absolument pas où ça se prend. C'est ici. Bien. Patron de Draenor, mais on s'en fout. Patron antique. Ou. Apparemment. Les métiers ne se font pas avant le niveau 100. Bon, c'est un peu bête, mais bon. Ah, là, il y a un petit coffre. Par contre. Un coffre au trésor. Oui, la puissance de d'artefact. Hop là. Bon, on est à 72%, il nous en reste 28. Et c'est souvent les 28 derniers qui sont les plus durs.
Hop. Allez. Ok. Là, j'ai peut-être été un peu gros, moi. Quoique. Quoique. Nom de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à mon personnage? Je meurs moins. Je meurs moins. Je meurs moins. Bon, je meurs toujours, hein, mais je meurs moins. 18%. Allez. À coup de 3% par mob, on va finir par y arriver. Je vais répondre parce que j'ai déjà fait. Niveau du hack, tu vois plonger dedans. Ok, alors 86. Version WoW. Alors, hop. Est-ce que si j'envoie un poisson dans l'eau? Si j'envoie un poisson dans l'eau, ça va me rapporter un plus. Je me demande, tiens. On va bien voir. Non, que dalle. Ok, voilà, 100%. Merci. Merci. La rivière nous nourrit. Alors, vous êtes prêts? Nous nous apprêtons à entrer dans une caverne et les Drogbar sont particulièrement à leur aise dans les endroits sombres. Les Drogbar placent leurs ignobles cristaux dans notre caverne afin d'absorber la magie qu'elle abrite. Une fois ces cristaux imprégnés, ils viennent les récupérer. Nous devons les leur reprendre afin que la magie qu'ils renferment soit rendue aux eaux de la caverne. Sans cela, les Drogbar auront tout le loisir de l'employer pour leur sombre dessein. Si vous vous perdez, ne traînons pas. Cette humidité est mauvaise pour mes rhumatismes. Les Drogbar et les furies se sont emparés de la caverne. Ils pervertissent la magie qui y réside et détruisent les élémentaires qui ont habité là. Faites cause commune pour les chasser de cette caverne. Que la terre-mère vous guide dans la bonne direction. Bon. Au niveau de la caverne. Et Dieu, comment ça se passe? J'ai besoin d'une cible. J'ai un peu envie de dire Osef, tant que c'est pas moi qu'on vise, je m'en bats les couilles, mais alors... Parlez plus fort. Mes oreilles ne sont plus ce qu'elles étaient. Kanché vous guide. Salle.
Un buveur de sang. Par. Il y en a un coffre. Comment on fait pour monter là? Est-ce qu'on va devoir passer par sous l'eau? Encore ici, non? Alors 8, 9 et 10. Et 10. Comment je fais? Comment je fais pour atteindre cet endroit? C'est une autre entrée en fait, tout simplement. Que la terre mère veille. Alors, l'équilibre des éléments. Alors, je pense que les Drogbar sont en train d'acquérir une magie plus puissante encore, maintenant qu'ils sont en possession du marteau de Kasgoroth. La magie imprègne à nouveau la caverne. L'équilibre des éléments sera bientôt rétabli et les Drogbar n'y résisteront pas longtemps. Que vos rivières soient toujours fertiles. Encore que j'en tue 4. Hein. Je dois d'abord choisir une cible. Y aurait-il un passage? Je crois que oui. Je crois qu'il y a un passage. Un niveau supérieur. Qui ne nous avait pas été révélé. Non, 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 non. Invisibilité. Notre magie nous cache aux regards indiscrets. Rien à voir à faire avec ce minable. J'ai besoin d'une cible. Je n'ai pas de cible. Je sais plus, mais je vais devoir leur tuer après. Donc. Au final, je le tue pour rien. Faire revenir te pose problème, Gelma. Tu peux être sous-estimé ta valeur. Quand tu auras fini de t'amuser, rejoins-nous à Courberive. Je dois d'abord choisir une cible. Parlez plus fort. Mes oreilles ne sont plus qu'elles étaient. Je vais devoir le tuer.
Ah, on commence à avoir des trucs intéressants ici. Alors, le sens de Pierre Barbe, pendant le nom de Gelmog, est entré dans nos cavernes de l'eau sacrée dans le but de s'approprier son pouvoir. Nous devons l'éliminer avant qu'il ne devienne trop puissant. Il se trouve dans les cavernes supérieures. Si vous vous perdez, suivez la rivière. Et si je me perds pas? Qu'est-ce que je suis? Eh bien, on regardera ça au prochain épisode. Prenez soin de vous, faites bien les geeks. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Salut à tous!